va leur dire sur quelques notes de guitare, calmement, gentiment, posément, trap, ça donne. Yaouria qui m'appelle. Encore une fois sa ville est sous le feu des projecteurs, pas pour dire qu'elle est belle. Pour la salir, la clasher, ça s'agite sur Twitter, pourtant trap moi je t'aime. Chez toi j'ai rencontré des personnes au grand cœur, pourtant trap moi je t'aime. Chez toi j'ai étudié, chanté sans jamais avoir peur. Abasourdi, quand j'entends certains propos, qui peut juger une ville sans y avoir mis les pieds? Qui peut juger des hommes sans leur avoir adressé un seul mot? Alors oui, certains ont des discours radicaux, j'en entends plus sur vos plateaux télé qu'en baladant dans les rues du 190. Certes, ne fermons pas les yeux sur certaines vérités, mais soyons dans une recherche qui mène à l'entraide et non à la division. Trap c'est la culture, la mixité, tous unis pour trouver des solutions. On rigole bien nos blagues de Jamel, le sourire d'Omar Sy grandement nous booste. Et comme l'a dit le grand Abd al-Malik, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Touche à trap, tu touches à tout Saint-Quentin. Nous sommes musulmans, juifs, athées et chrétiens. À quoi bon parler en ignorant l'histoire? On répond aux critiques avec quelques notes d'espoir. Il y a un moment donné, il faut faire... On est pris en otage par certaines personnes, une minorité, et vous, vous faites la promo de ça. Vous savez très bien qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et ces gens-là, ils sont spectaculaires. Je répète, soyons dans une recherche qui mène à l'entraide et non à la division. Fatigué par les critiques, les mensonges, les fake news, la stigmatisation. Agacé quand la rue met tous les journalistes et politiciens dans le même panier, non? Comprenez donc cet agacement quand vous mettez dans le même panier des milliers d'habitants. Moi je suis ni la rue ni le peuple, juste un petit jeune révolté face aux inégalités. Je ne crois que ce que je vois, et ce que je vois ne reflète en aucun cas votre soi-disant réalité. Vous vous demandez qui est vous? Vous sont ceux qui crachent sur ce qu'ils ignorent. Trap c'est vivant, multicolore. La jeunesse est très prometteuse, c'est bien elle qui vaut de l'or. Certes, les difficultés sont réelles, mais arrêtez donc avec les chiffres. Bien sûr qu'il manque des marches à l'échelle, y'a clairement un manque de soutien dans l'associatif. Je rappe ce texte avec tout de même une lueur d'espoir. Le vivre ensemble face à la haine reste plus fort. La France d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, et je l'espère celle de demain sera plus belle encore. Peace. Touche à trap, tu touches à tout Saint-Quentin. Nous sommes musulmans, juifs, bouddhistes et chrétiens. À quoi bon parler en oubliant l'histoire? On répond aux critiques avec quelques notes d'espoir. Il y a beaucoup de peur. Tout le monde sort sur la peur, mais à un moment donné, il faut qu'on sorte des peurs. Pour moi, il y a un défi essentiel qu'on doit tous relever aujourd'hui qui est véritable, qui est important, c'est relever le défi du vivre ensemble, le défi du 21e siècle. Touche à trap, tu touches à tout Saint-Quentin. Apprends. Nous sommes musulmans, juifs, athées et chrétiens. Comprends. À quoi bon parler en ignorant l'histoire? On répond aux critiques avec le combat continue.